Ouais, les gens, j'espère que vous allez tous tranquillement bien. Moi, ça va impeccablement bien. Alors, nous voici sur Dokkan Battle pour une nouvelle vidéo, forcément. Alors là, on va faire le nouveau Trunks du futur qui a été mis sur la Jap. Alors, je vais jouer avec le téléphone, hein, c'est plus rapide. Ça sert à rien, je joue avec le curseur de la souris. Alors, bon, je l'ai commencé, forcément, et. Voilà, c'est exactement comme le Freezer c'est exactement comme le Freezer et le Goku LR. Il se fait en très peu de temps et se fait très rapidement et voilà, tu mets même pas, franchement c'est dans la bonne équipe, tu mets 5 minutes pour le torcher, moi j'ai mis plus rapidement. Bon, alors je préfère préciser, je suis sur OBS maintenant, voilà. Du moins j'ai essayé, on pourrait dire, de régler le petit souci. Après voilà, je préfère mieux prendre ça. Ah, il y a des travaux en bas de chez moi, ça me casse les couilles. Parce que là en fait je joue sans son et au montage je rajouterai des sons. Donc voilà mon équipe avec qui je partirai. Bon, j'ai mis le petit nouveau 100%. Hein. Pourquoi je dis le petit nouveau? Car voilà, pour moi je viens de le mettre à 100%, donc voilà 100%. C'est nouveau 100% dans ma box, voilà, dans ce sens-là. Et un objet, je mets ça au cas où pour aider surtout le Goku LR à partir en spé ultime, car voilà, en termes de récoltage de ki, il est un peu galère, mais bon, voilà. Les rotations vont se faire comme avant. Les deux Goku en premier, et en seconde rotation, soit le Kiabe, ça dépend en fait de la première rotation qui tombe, soit le Kiabe avec le Goku Ami. Soit la Bulma avec. Ah putain, elle, je me rappelle jamais de son nom. Putain, j'ai regardé pourtant. Mais je me rappelle toujours pas de son nom. Enfin bref. On va partir avec ça, avec les objets qu'il faut, etc. Donc voilà, je suis sur OBS. Il n'y a pas à s'inquiéter. S'il y a des lags, etc., c'est normal. C'est normal. Dans pas longtemps, je me prends un nouveau téléphone de toute façon. Donc il n'y aura plus aucun lag. Là, je fais avec. On s'en bat les couilles. La qualité, elle est là. Voilà, on voit l'équipe qu'il faut. C'est l'essentiel. Alors, bon, et le son, je rajouterai au montage. Y a pas de soucis sur ça. Y a pas de soucis, y a pas de soucis, y a que des saucisses. Bon, alors, vous allez voir que je vais mettre pas longtemps. Voilà, là, on voit, il y a des lags, etc. Mais voilà, sur votre téléphone, il n'y aura pas de lag. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles des lags. Moi, je joue comme je le sens. Donc, voilà. Après, bon, tout se joue avec soit le téléphone. Soit l'ordinateur, soit la connexion, car bon, voilà, j'ai la flemme en fait de mettre les comment ça s'appelle de parce qu'en fait pour jouer par câble avec le téléphone par rapport à l'ordi tout ça. Ah, ok, alors la rotation elle est pétée. Bon, on va commencer comme ça. Alors le 100%, qu'est-ce que tu veux toi? Oui, je l'ai testé, mais voilà, quoi, sans plus. Et elle, je me rappelle jamais de son nom. Et en gros, voilà, pour que je joue par câble, en fait. Comme je dis ça, ben, il va mourir. Alors, pour que je joue par câble, en fait, dans mon dossier SaintSync, il faut que je rajoute un truc. Mais en fait, j'ai la flemme de le chercher. Je verrai un peu plus tard. Je le chercherai un peu plus tard. Voir s'il y a moins de lag par rapport à ça. Peut-être en jouant par câble, hein, peut-être. Ouais, normalement en jouant par câble, il y aura moins de bugs. Parce que là, en termes de connexion, si la connexion n'est pas bonne, ou j'en sais rien. Voilà. En gros, j'ai un chat dans la gorge. Alors, en gros, je sais pas si ça joue en termes de connexion ou en termes de. Ou en termes de. Comment dire Ah, il me manque un key sub. Non, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est soit ça, soit. Enfin bref, on m'a compris. Hein. C'est soit un, soit l'autre. De toute façon, quoi qu'il se passe, je verrai avec la qualité qu'il y aura. Enfin, non, c'est même pas la qualité. C'est par rapport à. Comment ça s'appelle à SiteSync. Voir s'il y a moins de lag en jouant par câble. On verra s'il y en a qui savent, qui me le disent. Mais on verra, on verra. Donc du coup voilà, le Trunks LR, voilà, comme on voit, hein, j'ai gaspillé aucun objet, je l'ai terminé très rapidement, enfin très, je l'ai terminé, on m'a compris quand je dis je l'ai terminé. Alors là, est-ce que j'ai assez de ki? Ah dommage,
dommage, dommage. J'aurais bien aimé faire ça juste pour partir en spé. Ouais, quoi que, tu sais quoi, j'ai rien à perdre. Je vais faire ça. Tac. Alors voilà, et je vais préciser un petit truc que je vais essayer de faire un truc. Faire tous les boss en free to play. Comme bon, c'est pas la peine que je précise que c'est. Mais voilà, je précise bien les boss free to play. Dans le sens 100% free to play. Hein. Alors, les cartes farmables, forcément. Une moto qui passe en bas de chez moi. Alors, les cartes farmables, les cartes des invocations Ami et TB, Tenkaichi Budokai, et les cartes qui se trouvent chez Baba. Tout, hein. Donc, c'est entièrement free to play. Même le Ginyu LR, il est free to play. Hein. Faut pas oublier. Hein. Et voilà, là. Bon, en même temps, c'est le troisième niveau. C'est le troisième level. Je ferai pour le quatrième level, on va voir. C'est dommage qu'il y a ces lags, etc. Car. Voilà, c'est dommage. Non, mais bientôt, tout ira mieux. Voilà, 5 médailles. Je suis en train de récolter les médailles. Voilà, là, c'est la course. La course a commencé, là. La course, elle a déjà commencé, c'est bon. Ok, bon. J'ai pas mis longtemps, hein. On voit, j'ai vraiment pas mis longtemps à faire ça pour cette team. Et c'était très rapide. C'était très 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 rapide. Donc on va voir là le temps que j'ai mis. Voilà, je vous conseille cette team, moi. C'est comme pour le Freezer LR. Hein. C'est exactement la même team. Je vous conseille cette team. Après, quand il y aura le quatrième level, d'après moi, il sera intelligence. D'après moi. Parce que c'est toujours le sens contraire, remarquez bien. Nouveau record, 4 minutes, 3. Voilà. En 4 minutes, voilà, je me le suis farci. Par contre, pour les cartes, c'est comme pour les autres en fait. Jusqu'à 100 médailles, ils t'en donnent pas beaucoup. Et pour le reste, ils vont t'en donner, voilà, c'est à partir des 100 médailles que là, tu vas avoir les cartes défilées, tu vas même pas les voir passer en fait. Et après, au niveau 4, forcément. C'est au niveau 4 que tout tombe en fait. Là, il n'y aura que les médailles. Donc, je suis un peu dans la merde là pour les récolter les cartes. En même temps, c'est Trunks du futur. Donc, sa carte, elle est farmable dans l'event. Enfin, dans l'event Mirai Gohan, Mirai Trunks, etc. Donc, voilà. Moi, je vous conseille cette team. On verra pour le niveau 4. Je le ferai, mais je ne sais pas quand. En tout cas, voilà, cette team, elle est largement passable. Et pour le projet, faire les boss en free to play. Soit je le commence avec voilà malheureusement cette qualité avec des légers lags etc. Soit j'attends un peu. En attendant je fais mes petits trucs derrière. Soit j'attends un peu ou je lance direct, je sais pas. Je verrai en tout cas voilà. Moi pour cette team je vous conseille celle-là. On verra pour le niveau 4. Le niveau 4 va être très très intéressant. Que j'ai. Moi j'appuie là. Ah ouais non c'est parce que j'ai tellement faim de. Ouais, les trucs ça fait chier autant. J'ai tellement faim de voir des LR que. Enfin bref, moi les gens je vous laisse. Portez-vous bien. Bye!